Salut à tous, c'est Raga pour ce quatrième épisode de Regard en rétro sur Kirby's Dream Land sur Game Boy, donc le premier des jeux Kirby. Donc quatrième vidéo, donc quatrième level. Hein. Et en fait, avant-dernier level. Donc nous sommes maintenant dans le monde des nuages. Je rappelle également que je suis en extra game, hein, donc le mode difficile caché du jeu. Il faut que j'arrête de parler, sinon je fais de la merde. Donc là, nous avons un nouveau type d'ennemi, hein, ces espèces de trucs qui volent. Nous ne pouvons pas les aspirer, nous sommes obligés de leur tirer dessus avec quelque chose. Hein. Nous ne pouvons pas les aspirer comme j'ai fait pour celui-là. Hop. Donc ici, faire attention aux parapluies qui deviennent agressifs. C'est un peu surprenant au début, on s'y attend pas trop, puis ils ont une trajectoire un peu bizarre. Que le plus simple reste quand même de les aspirer. Allez, j'y passe, je passe. C'est bon, je passe. Aïe! Voilà. Donc, nouveau type d'ennemi, un espèce de truc au boomerang. Hein. Hop. Hop. Donc j'y vais prudemment, hein, parce que là, ça, comme je suis en extra game, c'est très punitif. Hein. Je perds 2 points de vie par coup, truc que je me prends dans la tronche. Ah ouais. Ça, c'était méchant. Un seul point de vie. Ouh, c'est tendu. Hop. Oui, je la joue très très safe. Hein. Ou c'était juste. Voilà. Hop. Si je pouvais aller à un endroit particulier, ça serait bien. Il y a, je me rappelle où il y a des PV. Enfin, des récup de vie. Ce serait bien que je puisse tenir jusque là. Hop. Hop, et nous avons un passage secret ici. Enfin, un truc assez imprévisible. Hop, de la vie. Hop. Et encore de la vie. Hop. Et nous arrivons au boss intermédiaire. Hein. Qui a en fait une zone safe que je... C'est-à-dire qu'en se mettant dans le coin, mais vraiment dans le coin au max, bah on se fait pas toucher. Hop. Voilà. Donc ah ouais. Mais en fait, juste le fait de se tourner à droite, ça nous décale de quelques pixels vers la droite et on se fait toucher. Et si j'arrêtais de faire de la merde, tiens, ça serait pas mal, non? Bon, hop. En gros, faut que je lui aspire les bombes. Genre là. Raté, trop lent. Hop, et que je lui envoie dans la tronche. Ok, bon. Il me semble que je sais plus s'il y a la zone safe de l'autre côté aussi. Non, elle est pas de l'autre côté. Bon. J'arrête de la faire de merde, et je le tue lui. Hop. Bon, loupé. Allez, balance-moi des bombes. Voilà. Après, il faut que je trouve le bon timing pour lui lancer dans la gueule. Genre là. Hop. Hop. Non. Je précise évidemment que le pattern est aléatoire. Hein. Les enchaînements de... Enfin là, il n'y a que trois patterns possibles, me semble. Les lâchers de boules, les bombes et le moment où ils roulent.
Donc ça va, mais enfin les patterns sont vraiment aléatoires. Ou alors si jamais il y a une logique, je l'ai jamais vue. Donc nous voilà dans la deuxième partie du niveau. Hein. Donc une partie en crachage de boules de feu, si je puis dire. Avec beaucoup de cubes à détruire et de la vie que je vais aller chercher. Hein. Enfin. Ah si, il y a un vol. Hop, full life. Aïe. Du coup, je vais retourner chercher de la vie. Oui, je la joue vraiment safe. Hein. Voilà. Du coup, celui à droite doit avoir pop, c'est le cas, mais je m'en fous. Voilà. Hop, boule de feu. Je vois pas l'intérêt de ce passage, hein. Hop. Hop. Ah mince, je crois qu'on arrive au boss, mais non, il y a encore un écran. Aïe. Avec beaucoup de trucs qui bougent dans tous les sens. Ah oh. Ouf, ça va être short ça, tiens. Donc voilà le boss, hein. Il nous rappelle quelque chose, sauf que maintenant il est en nuage. Et il a des patterns supplémentaires. Genre celui-là où j'ai oublié de sauter. Hop. Mais la zone safe est toujours la zone dans le coin. Enfin. Aïe. Enfin, je disais, la zone safe est toujours dans le coin, tournée vers la gauche. Faut juste pas oublier de sauter quand il nous charge. Mais quand il fait un petit mouvement vers le en haut à droite, on arrive à l'anticiper. Ah ouais. Voilà, mais ça passe juste, hein. Hop, une bombe. Hop. Ah ouh, mince, je l'attendais pas à ce moment-là. Hop, les bombes. Encore les bombes. Merci. Les bombes. Ouf, là je l'ai joué vraiment safe en m'envolant. Hop. Aïe. Allez, encore un coup. Ce serait dommage de mourir maintenant. Allez, une bombe. Et voilà, le boss est mort, le niveau est fini. Donc on va s'arrêter là. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivasone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Et puis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur Kirby. Allez, ciao!